Bonjour la compagnie, nouveau diagnostic sur un Renault Capture. Donc une palette de défauts, injection, ABS, airbag, tableau de bord, etc., etc. Des défauts qui sont actifs, des défauts qui sont en mémoire. Donc on s'arrête aux actifs, liaison, diagnostic boîtier de préchauffage, défaut signalé par le boîtier, filtra particules, colmaté. Ensuite on a au niveau des airbags prétentionnaires, un court circuit latéral. Euh, airbag avant droit, thorax, circuit ouvert, donc le fil est coupé. Et ensuite, un feu anti-brouillard avant droit, circuit ouvert, un fil coupé aussi. Tout le reste sont des défauts qui sont en mémoire. Donc, euh, on n'a pas besoin de s trop s'y pencher. C'était la batterie qui avait été déchargée, qui était morte, donc elle a été remplacée. Ça a généré plein de défauts. Donc ça, c'est à la valise qui nous sort euh, en terme de diagnostic. Donc euh, je suis allé dans la régénération et j'ai commencé la procédure de régénération qui dure 30 minutes. Donc ventilo à fond, en mode froid, euh, lumière à l'intérieur de l'habitacle éteinte. Euh... Voilà, toujours contrôler le niveau d'huile, le niveau de liquide refroidissement avant d'entamer la procédure. Ça va faire tourner le moteur à 3000 tours. Et voilà, et on laisse faire la manip. Ensuite, on roule un peu avec la voiture et le défaut disparaît. Là, je vous montre pendant que le véhicule. J'ai coupé le son parce que le moteur tournait à 3000 tours et ça faisait beaucoup de bruit. J'ai préféré faire un son audio comme ça donc là on voit 3% la température donc la température de descente du filtre à particules donc là je fais une tour du véhicule moteur ouvert bien sûr euh, voilà une fois la régénération terminée le véhicule a très bien roulé donc voilà, si je vous sort euh, filtre colmaté au diagnostic, euh, n'hésitez pas à faire une régénération. Donc là, c'était la procédure qui était en cours. Voilà, voilà, ensuite on a pu faire un effacement des défauts et c'était fini. Donc la vidéo, a... j'ai pas pu faire 30 minutes de vidéo parce que c'était long, mais là on voit temps de chauffe, etc. Et la fin de la vidéo. Donc on voit bien qu'au niveau des, des défauts, la plupart ont disparu. Donc euh, rien de méchant. Voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker. Et n'hésitez pas à faire diagnostiquer votre véhicule. Merci.